Bien, mais il est 8h15 du matin, début du troisième jour de mon road trip sur les routes de la Grande Vadrouille. Et je pars d'ici, donc à des hospices de Beaune. J'ai passé la nuit à l'hôtel Ibis pas loin. Bon, on va pas dire que c'est grand luxe, hein. On va pas être médisant non plus. Enfin, pour passer la nuit, l'étape, c'est bien. Aujourd'hui, ce sera surtout une grande étape de liaison, vu que je me dirige sur le Cantal du côté de Saint-Flour, mais je ferai étape par Valcivière dans le Livradois Forêt, un petit bled perdu près du col des Super, et je passerai par la commandanture de Meursault, entre autres, et le château de la Rochepot qu'on aperçoit dans le film. Voilà, on va vous montrer tout ça, mais d'abord, je vais aller faire le plein. À tout à l'heure. Bien, ben, comme vous voyez, je suis à Meursault. Bon, on va aller découvrir ensemble le petit village. Et on va directement à la commandanture qui est l'hôtel de ville de Meursault. Allons-y. Pour faire les photos, mais voilà, c'est ici que on va d'abord me garer, on va voir après. Et voilà donc, comme je disais, la commandanture qui est l'hôtel de ville de Meursault. Célèbre réplique ici, hein, de moi vous osez vous foutez. Voilà, c'est ici que donc ils sont tous emprisonnés, interrogés par le major Rambach. Les Anglais crèvent des pneus des véhicules allemands sur la place ici, mettent le feu dans la cave. Voilà. On va voir de plus près. Un beau bâtiment. Voilà, je crois qu'il y a une plaque
Commémorant la grande vadrouille sur les grilles, je vais essayer de la retrouver. Bonjour. C'est jour de marché aujourd'hui. Non, je ne vois pas cette plaque. Auparavant, sur les grilles, elle était apposée. Non, elle n'y est plus. Je me rappelais que le film avait été tourné ici. Il y a deux autres sites que je devrais vous montrer là-bas plus loin. Dans le film, on voit passer le véhicule des pompiers et un pont. Sur lequel il passe avec la calèche à toute allure et des tonneaux de vin pour fuir les Allemands qui les poursuivent. Bon, on va aller voir ça après. Eh bien, je découvre en même temps que vous la fameuse voiture des pompiers qui a servi dans le film La Grande Vadrouille. Voilà. Magnifique. Et c'est une je ne vois pas le nom. Voilà, c'est une nouveauté, je ne l'avais jamais vue. Bien, mais je suis toujours à Meursault. Je vais d'ailleurs y retourner parce que j'ai loupé une petite rue, je vais faire demi-tour, mais donc je passe ici qui est un pont que l'on voit donc dans le film. Voilà, je le traverse et sur ce pont on voit passer la calèche qui s'enfuit de Meursault avec la bonne sœur dans la charrette, les deux barriques de vin et toute la compagnie. Voilà, ça c'est plus ou moins je pense l'angle sous lequel on la voit dans le film. Évidemment, ça a changé, tous ces bâtiments ne devaient pas exister à l'époque. Ok, mais je retourne à Meursault de pouvoir passer par là. Et alors, mauvaise nouvelle, il commence à pleuvoir. Ça ne va pas me changer de la journée d'hier. Voilà, eh bien, c'est la rue que je voulais vous montrer. C'est ici qu'est filmée la voiture des pompiers hein, qui court, qui vole au secours de la commandanture qui est en train de cramer. Elle arrive dans ce sens-ci, et c'est ce qui est comique, c'est qu'en fait la commandanture dans la réalité est de l'autre côté. Enfin bon, ça c'est le cinéma. Voilà, maintenant on quitte Meursault sous la pluie, malheureusement, direction le château de La Rochepot.